Salut à toutes et à tous, c'est Clément CNL. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la ville de Nogent pour avancer un petit peu ma ville. Donc, je vais vous dire des petits trucs à propos du concours. Donc, je pense que je vais arrêter les participations à partir de vendredi, comme ça fera une semaine, comme ça tout le monde a bien pu s'inscrire, etc., etc. Voilà, je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 250 abonnés, alors que ça fait même pas une semaine que j'ai les 200 abonnés. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait trop trop plaisir. Le concours des 300 en fait il est vraiment pas loin. Donc du coup je voulais continuer sur nos jambes pour faire un petit, pour placer le geyser. En fait parce que vous savez dans la dernière vidéo je vous ai dit que je voulais placer un geyser avec des bambous et tout. Bah c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et donc bah je vous montre un petit peu mes arbres qui ont poussé. Donc vous voyez c'est fait comme ça. Moi j'aime bien. Enfin je trouve ça, ça rajoute vraiment de la nature. Ça rajoute quand même quelque chose. Parce qu'avant il n'y avait pas d'arbres. C'était nul. C'était rien. Non franchement j'aime beaucoup beaucoup, faudrait que j'ajoute des arbres tout le long. Ah bah oui mais je peux pas y aller à sa maison. Sa maison elle s'est ramenée. Non mais sinon j'aime beaucoup beaucoup, je suis vraiment super contente. Donc du coup on va essayer de placer le geyser maintenant, hein, ne perdons pas de temps. Mais j'aimerais bien planter des arbres ici. On va déjà planter des arbres, donc du coup bah des pommiers, parce que vive les pommiers, bah ouais. Moi les pommiers, j'adore les pommiers donc il faut que j'en place. Donc du coup on va les prendre de cet arbre ici. Parce que ça m'énerve de prendre ailleurs. Donc on va les prendre ici. Donc attendez, il faut que j'ai... Mais pourquoi il y en a un qui a disparu? J'avais fait des places exprès. Bon, on en a pris deux. À mon avis ça suffira pas. Mais après il faut que je sache comment les placer. J'aime bien les placer à côté de ma mairie. Parce que comme ça, ça fera une rangée d'arbres ici et une rangée ici. Donc il faudrait au mieux que ça soit parallèle. Bon là je pourrais pas en placer. Ici je vais essayer mais c'est pas sûr. Maintenant j'ai plus de place. Mais oui il y a toujours quelque chose. Il faut pas que j'ai de place, c'est obligé. Bon, on va faire comme ça, du coup ça va faire une place. Voilà. Donc du coup ici, hop, et on place. Voilà. C'est pas mal. Donc là, attendez, j'ai vraiment plus de place. Donc on va aller placer les fleurs là-bas. Ah oui, j'avais pas vu à côté de mon hamac aussi. Si vous savez, j'avais planté des hibiscus. Donc il faut aller voir ce que ça donne. Stéphane. Moi je veux pas que tu partes Stéphane. Il veut pas. Bon alors du coup ouais donc c'est là-bas. Hop. Alors bah c'est pas mal. Ah oui donc j'avais essayé d'en planter donc faudrait que j'en plante jusqu'ici. Mais je sais pas si ici ça va pousser. Mais ça fera ça. Et ça sera quand même pas mal hein. Là je mettrai des fleurs. Après je pourrais pas en mettre. Enfin je pourrais essayer d'en mettre ici mais c'est pas sûr parce qu'il y a le hamac ici donc c'est pas sûr mais sinon ouais c'est pas mal. Faudrait juste que je continue mon champ de mince de rose jaune et de rose rose. Ah bah j'ai plus de place mais je suis totalement débile, je suis débile. Donc on va les placer en bas les fleurs que j'ai pas besoin pour l'instant parce que ça me prend plein de place. Alors non, orange. Les lots du concours, je sais toujours pas ce que ça va être. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais de toute façon, si j'annonce le concours, je pense que ça sera mardi. Je pense que j'annoncerai le gagnant du concours mardi prochain. Voilà, on peut remonter. Si j'ai pas de rose jaune par hasard. Je dois pas en avoir, sinon je les aurais déjà prises. Et à Clara, elle va détruire mon chemin, je suis dégoûtée. Faudrait que je change les ponts. Parce que j'ai un pont ici, vous voyez, comme ça, japonais. Bon, celui-là encore, ça va, je trouve ça. J'aime bien parce qu'il y a des. Comme il y a des bambous à côté, je trouve ça fait joli. Mais celui-là là-bas, je le trouve immonde. Donc celui-là, je pense peut-être le changer pour faire un pont japonais. Alors du coup, on a planté ici, donc il faut en planter un là.
Et techniquement, il faudra en planter un ici. Mais je sais pas s'il va pousser. Et puis franchement, détruire un arbre pour ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Si je vois que je devrais rajouter des arbres et tout, on le fera. On le fera, mais pas maintenant. Là, on laisse les petits pommiers tranquilles. Donc bon, adieu la petite pomme hein, qui est tombée, qui est décédée dans les paternes, la pauvre, on pense à elle. Alors du coup, il faut un petit peu que je déménage tout ce qu'il y a là-bas, parce que sinon, bon voilà. Alors il me faut une hache, est-ce que j'ai une hache? Oui, j'ai une hache. Alors, donc je vais couper ça. Il faut déjà que je définisse la place où je veux mettre mon geyser. Parce que je sais pas encore. Ceux-là, je pense les laisser. En fait, les bambous, c'est pas tellement ça. C'est juste pour le placer, ça va être archi chiant. Je pense que je le mettre là. Ici. Bon, encore ces fleurs-là, je peux les sacrifier parce que j'aime pas du tout ces fleurs. Oh. On va les sacrifier pour le besoin. Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'elle va dire sur ma ville? Attention. Encore, je comprends pas pourquoi. Hein. Elle est pas jolie. Alors, travaux publics. J'espère que je l'ai. Normalement, je l'ai. Enfin, attendez, j'ai dit geyser, mais on va voir si j'ai pas d'autres projets publics. Je crois que j'avais un truc que je voulais mettre, mais je sais pas si je l'ai débloqué. On va voir tout ça. Le tuyau. Un puits en pierre. Oh, oui, un puits en pierre, ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, c'est ça que je veux mettre à naturer là, dans le petit parc. Mais bon, je l'ai pas encore. Arrache ballon, arrache pompon, arrache pique à mac, bûcher. Geyser. Voilà, donc ça c'est geyser, mais je suis pas sûre. Juste vérifier que j'ai pas ce que je voulais mettre à la base. Bon bah écoutez, je ne l'ai pas, alors plantons le geyser, il est là, hop. Plantons, mais n'importe quoi. Platon. Ok. Alors Marie, cherchons une place. J'espère qu'elle va pas me dire un truc comme quoi je peux pas le mettre. Parce que Marie, je te connais. Ne t'inquiète pas que je t'ai repéré depuis le live. Hein. Alors on va essayer de le placer là, j'avais dit. Mais en fait, je sais pas, je sais vraiment pas comment elle fait pour placer. Enfin, je sais pas à partir de quoi elle se base. Oui, bah ça c'est sûr. Bah c'est pas mal. On va mettre ici. Donc ici, il faut que je plante des bambous. Est-ce qu'il n'y a pas des bambous par hasard aujourd'hui? On va voir. Non, Marie, tu sais, Marie, c'est juste à côté. Hein, donc bon. Alors, normalement, est-ce que ce serait pas un bambou? Oui. Ça, c'est bien. Comme ça, je pourrais en planter. Bon, après, ici, il y en a déjà un. Donc, je pense que je vais les planter plutôt autour de ça. Comme ça, je pourrais planter des petites roses bleues. Je pense que les roses bleues, ça pourrait faire super joli. Et des émeraudes aussi. Parce que, comme les bambous, bah, c'est vert. Je pense que ça pourrait faire un rapat de couleurs. Là, ça s'écrit dans déco. Valérie d'Amidon. Non, je pense que ça pourrait vraiment être joli. Du coup, j'ai deux bambous, c'est pas mal. Hop, on va les planter donc sur la même base que celui-là, donc ici. Attendez, j'arrive pas à me rendre compte. Là, il y a un écart. Attends, il y a ça. Là, il y a un écart. Et c'est sur la ligne d'ici, donc. Il faut le planter là. On va en planter un ici. On va en planter un ici. Je sais pas s'il va pousser. Bref, on verra bien. Moi, voilà. C'est pas mal, hein. Après, évidemment, il manque un bout de l'autre côté. Bref. Donc, du coup, maintenant, il faut payer cette petite chose. Bah oui, parce que ça va pas se payer tout seul.
Donc il faut le payer nous-mêmes. Parce que sinon ça marchera pas. Hop. Donc du coup j'aurais pu aller chez moi, mais j'ai la flemme. Donc du coup bah, je vais aller à la banque tout simplement. Par contre j'ai pas regardé, je crois que c'est 100 000 ou c'est pas loin de 100 000. Mais en fait je vais aller chez moi parce que j'ai la flemme d'aller là-bas. J'espère que c'est 100 000 parce que je vais prendre que 100 000. Hein. Donc, bon. Alors, maintenant c'est vrai, je les ai permis. Putain, mais je suis débile. Bon alors, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, je crois pas qu'il soit là. Je pense qu'il est plutôt dans mes armoires, ici. Donc bon, alors hop. Parce que c'est là où je mets tous mes DAC en fait. Hop. J'ai trouvé. Donc je vais prendre 100 000, tout simplement. Enfin, si vous voulez. Enfin. Comme j'ai pas encore fait les lots du concours, si vous voulez gagner des choses en particulier, dites-le moi dans les commentaires et puis je ferai un petit tri quoi. Donc dette. Ah mince, j'ai mis la dette. Ah je dois payer à Tom Nook. Ouais, bon je la flemme. Alors, retirer des sous. Bah non, j'en ai déjà 71 000, donc ça fait 29 000. Merci. On va le récupérer parce que ça va me saouler. Hop. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons y arriver. Ok. Ok. Ça manque d'arbres ici. Faudrait que je plante des arbres. Oula. Il m'en sait ce qui est arrivé la dernière fois. Alors ne fais plus cette erreur. Bonjour. Bonjour. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Ah, c'est 98 000. Bon, ça passe. Il me restera 2 000. La technique du 9. Ah ouais. Pam, pam, pam. Bon, bah voilà, on a un petit peu tout fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Bientôt les 300. Déjà. Ça, c'est pour la miniature. Déjà, les 300 abonnés, c'est juste. Voilà, je suis en train de me chouquiller à moi. Ça veut regarder ce que j'ai dit. Je vais peut-être faire un live cet après-midi, mais c'est pas sûr. On verra. Bref, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!